Le Sénégal a été frappé par une tragédie suite à cet accident de la circulation qui a occasionné la mort de 39 personnes. Je dois tout de suite corriger les chiffres qui ont circulé depuis ce matin, puisqu'en réalité, les corps transférés après l'accident ont retrouvé deux autres corps qui étaient dans la morgue de l'hôpital, qui n'avaient rien à voir avec l'accident. Nous notons avec beaucoup de douleur et beaucoup de tristesse le décès de 39 personnes dans cet accident de 6 kilos près de Kaffrine et 100 blessés, dont 10 qui ont besoin d'une urgence vitale et le reste étant constitué de blessés légers, pris en charge ici dans l'hôpital régional Tchernobyl-Aimdaw de Kaolack et au Tchernobyl-Aimdaw de Kaffrine, à l'hôpital régional de Kaffrine, et d'autres 47 autres blessés qui sont référés au centre de santé de Kaffrine. Cet accident nous montre qu'il y a des ruptures à opérer et il y a des mesures à prendre et ces mesures seront prises pour mettre un terme à cette situation. On ne peut pas exposer la vie de nos compatriotes dans un système de transport qui fait fi du respect de la vie humaine. Nous avons perdu beaucoup de jeunes dans cet accident. Et dès demain, le Premier ministre réunira un conseil interministériel qui va impliquer le monde du transport, les transporteurs, les chauffeurs, les assureurs, les services de sécurité pour voir les mesures à prendre sur l'état des véhicules, sur le contrôle technique, sur les conditions d'établissement des permis de conduire, sur les conditions de délivrance des visites, des attestations de visite technique et sur les horaires de transport pour ce qui concerne les véhicules, les cars de transport de voyageurs. Alors, toutes ces mesures devront être identifiées et nous prendrons toutes les mesures que requiert cette situation. Wow.